Vierge pouvait concevoir et enfanter le Christ. Qui pouvait prédire qu'Élisabeth, sa cousine, serait la maman du précurseur de Jésus. Même si plusieurs complotèrent pour contrecarrer, rien n'a pu empêcher le programme de Dieu. Car chaque fois en contradiction, déclaration du Créateur, les ténèbres viennent en opposition, essayant d'intimider, puis de brouiller, renier le processus de création qui peut défier Jésus-Christ, le soleil de la justice, lorsqu'il se met à briller. Au nouveau jour, les paroles mêmes qu'ont annoncé cet ange puissant se sont accomplies, sont devenues chères, nous voici debout. La parole s'est faite chair, contre tout attente. Christ est derrière la chair, contre tout attente. Nous voici ce chef-d'œuvre, contre tout attente. Nous voici croyants, contre tout attente. Souvent que la parole de Dieu ne peut faillir, prouvant que les promesses de Dieu s'accomplissent toujours. Qui pouvait croire qu'Abraham, ce vieil homme, verrait son corps changer en un jeune homme? Qui pouvait prédire que Sarah concevrait, malgré son rire, malgré son doute? Même si les nations voisines étaient remplies de péchés, rien ne put empêcher le programme de Dieu. Car chaque fois en contradiction aux déclarations du Créateur, les ténèbres viennent en opposition, essayant d'intimider, de brouiller, renier le processus de création qui peut défier Jésus-Christ, le soleil de la justice, lorsqu'il se met à briller. Au nouveau jour, les paroles même qu'ont annoncé cet ange puissant se sont accomplies, sont devenues chères. Nous voici ce matin, la parole s'est faite chair, nous voici chantant. La chair, nous voici adorant, prouvant que la parole de Dieu ne peut faillir, prouvant que les promesses de Dieu s'accomplissent toujours. Qui pouvait croire que Madame Jésus-Christ serait si belle et si glorieuse? Qui pouvait prédire que cette épouse de Jésus-Christ comprendrait finalement sa vraie position? Même si l'enfer tout entier vint pour tout enrayer, rien ne peut empêcher le programme de Dieu. Car chaque fois en contradiction aux déclarations du Créateur, les ténèbres viennent en opposition, essayant d'intimider, de brouiller, relier le processus de création qui peut défier Jésus, le soleil de la justice, lorsqu'il se met à briller. Au nouveau jour, les paroles même qu'ont annoncé cet ange puissant se sont accomplies, sont devenues chères. Nous voici ce jour, contre tout attente, la parole s'est faite chair, contre tout attente, Christ est derrière la chair, contre tout attente, nous voici adorant, contre tout attente, nous voici ce chef-d'œuvre, contre tout attente, prouvant que la parole de Dieu ne peut faillir, prouvant que les promesses de Dieu s'accomplissent toujours. Qui peut défier Jésus-Christ, le soleil de la justice, lorsqu'il se met à briller? Au nouveau jour, les paroles mêmes qu'ont annoncé cet ange puissant se sont accomplies,
sont devenus réalité. Nous voici ce jour. Contre toute attente, la parole s'est faite chair. Contre toute attente, nous voici croyants, croyants. Contre toute attente, Christ est derrière la chair. Contre toute attente, nous voici ce chef-d'œuvre. Que la parole de Dieu ne peut faillir. Prouvant que les promesses de Dieu s'accomplissent toujours. Prouvant que la parole de Dieu ne peut faillir. Prouvant que les promesses de Dieu s'accomplissent toujours.